que le Maroc est le pays le plus beau du monde? Pour moi, oui. Pour moi aussi. Et pour être honnête, j'en suis même devenue addict. Je prends un billet d'avion dès qu'il y a un mini inconvénient dans ma vie. Résultat, j'y suis allée en avril, en juillet, en décembre et encore en avril. La sensation d'atterrir, de retrouver son pays préféré est juste inexplicable. Et c'est le cas de le dire. Oujda, la nuit comme le jour, restera ma préférée. Et bienvenue évidemment, je vous ai tout filmé. Il y a grave du bruit, je suis sur le banc. On est le 1er juillet. Là, je suis dans la maison de ma grand-mère. Là, je suis seule dans la maison, mais je peux vous dire qu'en réalité, je ne suis pas seule. Vous allez me prendre pour une folle. Pas trop quand même vous expliquer. Je vais vous montrer. Déjà, souvent, quand on passe à côté des portes, elles font genre un petit sursaut. Genre. Mais moi, ce qui me choque le plus, cette clé qui fait genre 38 degrés, il y a zéro vent tout le long de l'année. Elle passe son temps à tourner. Elle ne s'arrête jamais. Et même quand j'essaye de la stabiliser, elle continue à tourner. Il n'y a pas d'air, il n'y a rien. Compétition entre. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais jamais y arriver. 100, 100. Ah! Ah! Et me dire concrètement, à part se prendre des balles dans la gueule, qu'est-ce que j'aime au Maroc? Allez, commence! Tout d'abord, j'adore visiter plein de nouvelles villes avec ma famille. Hey, les amis, la caméraman! Hello my friend, we are going to make a video. Asmal Moon. Serveur. J'aime beaucoup aussi les chats du Maroc. Ils sont tous super mignons et super câlins. Laissez-moi vous présenter Siri Siri, le chat que j'ai littéralement adopté, ou plutôt qui m'a adopté, et avec qui j'ai passé beaucoup de moments en juillet. Il faut bien évidemment évoquer la nourriture qui est juste délicieuse, somptueuse, ils savent tout faire. Et les quantités, mieux vaut pas en parler parce que quand il y en a plus, rien encore. T'as fait beaucoup là, c'est trop bon. Ce que je préfère au Maroc, je peux pas vous décrire le goût, c'est exceptionnel. Tous les soirs, on a un magnifique sunset. En haut de presque toutes les maisons, il y a souvent des terrasses qui sont faites à la place d'un vrai toit comme on peut avoir en France. Et du coup, c'est trop beau. Le sunset est incroyable. Et là, vous pouvez entendre l'appel à la prière. Hey, regarde-moi! Regarde-moi! Ouais. C'est pas ça.
faire l'Aïd, manger du mouton et aller voir toute la famille. Alors Maïcha. Wow, il parle comme ça, Inès. My name is Gustavo. T'es en train de saccager mon vlog. C'est l'heure de l'interro en arabe. Sergent. Oh, des mots que je connais. Vas-y, vas-y, je suis prête. Déjà, je sais compter. Regardez, je suis un peu gosse, regarde. Voilà, allez, Pelek. Bed. Sir, sir. Ça, ça veut dire genre, va-t'en. Radin, Tebek. Radin, écoute l'exemple. Wahed, Jouj, Leta, Ruba, Amsa, Sita, Zebra, Tmenia, Sra, Rachala. T'as quel âge? J'ai Tsardash. Ouais. Tsardash, c'est quoi ce temps? C'est 16. Je suis bilingue, moi, je vous dis. Abricht, je veux pas. Package, y'a pas. Il m'a vu, c'est quoi? Ayati. Non. J'écris H-Y-A-T. Yati. Hati. Non, Hayati. Hayati. Kunta Ergon. Ergona. C'est trop beau. C'est vraiment super beau. Tous les soirs, t'as ça chez toi. Regardez. Là-bas. Ça va là-bas, des gâteaux. Ah non. C'est avec ta tête qu'on voit. Waouh. Wow. Regarde, je suis plus grand que elle. Ayoub, Ayoub. Je gagne. Tu vas mettre l'activité préférée au Maroc, c'est le caillou, tout le temps. Le documentaire, c'est sur les dangers du Maroc. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu veux quoi? Pose des questions. Que pensez-vous de la société? Ah ouais, la société qu'on veut, elle est là. Et n'est pas, n'est pas. I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me. So chiudo gli occhi e a me vicino a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo. Top shop. Les valises. Vous avez pas assez de place pour rouler vos vêtements comme un sushi. Okay. On est à 2h du départ et il a pas de passeport. Et bim. Parle. T'as pas de passeport, tu vas aller nulle part. Oh. Il est trop content de partir. J'ai dû pleurer 5 fois aujourd'hui. Bye bye, le Maroc. Les au revoir sont jamais très drôles, mais reprendre un billet pour réviser ses partiels parce qu'on est stressé et faire la surprise, ça c'est encore plus drôle. Ayoub, le gros casson. Ayoub, il est toujours sur son téléphone, c'est un truc de fou. Mais arrête d'harceler tes amis. Il a fait toutes les 2 minutes. Je veux juste pas te donner la réponse. Hein. Peut-être qu'il m'a bloqué. Il me répond plus, je vais faire good. On va faire ta bouche. Je vais pleurer. Boss, boss, il est. Boss, boss. C'est ce que je fais, c'est qui est sur son téléphone depuis non, tout à l'heure? Non, moi je bosse. Moi, arrête. Allez, arrête. Il te reste combien de poches? 20. En fait, là, je suis juste en train de faire le plan. Travaille, travaille. Oh, c'est toi. Regardez, moi je bosse. Pardon, pardon, pardon. Mais regarde le foot, mais, ah ouais. Mais je te moque de moi. Mais non, t'inquiète. Elle m'a répondu. J'ai mal à la tête. Bon, c'est bon. J'en ai marre. J'ai envie d'arrêter. Ayoub. Travaille. Bon, bah vous. Et puis on adore inventer des jeux débiles. Tu fais ça. Non, comme ça, comme ça. Ronaldo et Andrew Tate. Eh, qui a demandé? Ça, c'est une bouteille. Oh, God. Pardon, pardon. Est-ce qu'on peut aller au Hanout? Un centime. Pour... T'as pas bu depuis quand? Mais va t'enlever. Mais arrête de pousser. T'as pas bu depuis quand? Fuck. Mais arrête. Dis qarqara. Qarqara. Si tu dis qarqara, je donnerai 1 million. Tu les as même pas. Qarqara. Tu peux pas dire ça. Qarqara. 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 Souris.
Tu dis allez, Unta fil. Unti. Bah, El Marica. Non. Unti c'est avec boule. Free Ayoub. Être le seul garçon grand dans la famille est une charge mentale quotidienne. Ouais, chaque jour, va par là, va par là, va par là. Ayoub doit faire les lessives. Ayoub doit faire le lit. Ayoub doit faire les courses. Et tout ça, je fais comment ? C'est mes sous. Ah, tes sous en plus. Free Ayoub, please. Et puis on fait surtout beaucoup de balades en voiture. Les paysages sont toujours incroyables. Bien évidemment, on est retourné au Maroc au printemps. Et comme ce pays n'est pas assez fantastique, on a été surclassé par la Royal Air Maroc en VIP Lounge. Ce que j'adore au Maroc, c'est la capacité de vivre 20 journées en une seule. Une seule journée, on a le temps de retourner sur les terres familiales, faire une balade en voiture. Et pour la dernière journée, on s'est pu de carrément changer de saison et se retrouver en pleine montagne dans le brouillard. Ayoub, il y a des nuages partout. Ah oui. T'as vu ? Ah, il fait froid. Comment on dit les nuages en arabe ? Dbaba. Non, c'était pas Riomlé ? Ouais, Rion, c'est la même chose. Mais je suis forte. Hein. Puis d'aller manger au bord d'un feu de cheminée et finir la journée avec un magnifique coucher du soleil à Saïdia. Voilà. Regardez, rien à ajouter. Les arguments sont ici. Casablanca, voir la mosquée de Hassan II qui possède le deuxième minaret le plus haut du monde. Un chameau, une grotte de chameau. Wow. Et pour la dernière journée, on s'est encore baladé de ville en ville sur les terres familiales dans la montagne. Penses-tu des musées au Maroc ? Y en a-t-il assez ? Ah oui. Le focus, il veut plus nous voir. Et à demain, bye bye. Bye. Ça y est, beaucoup. Ça va.